Notre chère compatriote Leslie Quinn, 5 étoiles. Elle dit, cette histoire de Libanais, elle ne lâche pas. Elle est assise sur l'histoire. On est passé sur panel par panel. On a écouté les gens dire, d'autres gens disent que non, c'est faux. Et il y avait une vidéo ici chez nous, chez Los 13, là où on dit, allez regarder la vidéo intitulée Makoso Fort. Hein? Makoso, le roi des blogueurs et des influenceurs de la Côte d'Ivoire fort. Allez regarder la vidéo là, comme ça écoutez et puis revenez dans cette vidéo ici, là où on dit que Leslie, elle a dit elle-même, elle laisse pas cette histoire, elle est assise sur cette histoire déçue. Dans la vidéo là, il y avait des très bons témoignages pour les Libanais que non, Makoso avait raison de ce que Makoso, le discours de Makoso qu'il avait fait concernant cette histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Il a dit que non, ceci, cela, allez même là-bas, allez écouter la vidéo, allez écouter ce que Makoso avait dit et allez écouter les propriétaires des panels qui ont fait ce panel-là, ce qu'ils disaient à propos des propos de Makoso sur cette affaire des Libanais en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi la vidéo ici chez nous de Leslie, là où ils étaient contre cette histoire, là où ils disaient que non, nos frères et sœurs souffrent là-bas chez eux, en Liban. Donc, il y avait aussi des gens qui disaient que c'est faux, c'est pas comme ça. Moi, la vidéo que je vous ai dit de Makoso Fort, là, allez regarder ça, vous allez écouter, vous allez voir des témoignages que non. Moi, mon patron est libanais, il a payé même des billets d'avion pour moi. C'est si c'est là, nanana, nanana. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit, oh, c'est très bien d'écouter les deux oreilles. C'est pas bien d'écouter une oreille et puis vous écoutez pas l'autre, vous prenez votre décision. C'est très bien d'écouter ici, oh, et de tourner notre oreille et puis de faire quoi? Écouter. Aujourd'hui, on va écouter Leslie avec des preuves des gens. Et il y aura un appel dans ce même live ici, là où on disait qu'il faut confisquer même le téléphone, hein, de votre servante. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ce qu'on appelle jour férié ou bien ce qu'on appelle en anglais off days. Il n'y en a pas. Donc, tu travailles 24 heures sur 7. Tu n'es pas autorisé à avoir un téléphone. Tu n'es pas autorisé. Eh, moi, je parle beaucoup. Je vais vous finir le goût. Alors, prenez vos ceintures de sécurité. Mettez-la. Leslie aussi va s'adresser au gouvernement de la Côte d'Ivoire à propos de cette histoire. Prenez votre ceinture de sécurité. Prenez vos tabourets, vos verres d'eau. Venez justement à côté de nous. Asseyez-vous. On va suivre cette vidéo tous ensemble. Salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. On précise chaque jour ici qu'une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous. Une salutation accompagnée des gros bisous, ce n'est que pour nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, ainsi que le nouveau venu. Donc, si vous êtes ici nouveau, salutations à vous. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour les analyses Elios 13. Bon, bon, il a supprimé la vidéo sur sa page. Chou, Ok, let's viens un peu go. ça, hein. On va aller chez Chou, papy. Vous avez vu, maman Marie est au Liban depuis près de 50 ans. Vous avez vu, maman Marie est au Liban depuis près de 50 ans. Et là, elle avait décidé de rentrer au pays. Quand elle est partie, elle est restée un mois au pays et dit qu'elle ne veut plus, qu'elle veut rentrer au Liban. Elle est rentrée au Liban. Regardez comment est-ce qu'elle a fêté son retour. Ok. Merci, c'est tout ce que je voulais. Alors, Moué Langer a supprimé cette vidéo. Merci, c'est tout ce que je voulais. Voilà, il a supprimé cette vidéo parce que, voilà, évidemment, il y a eu des retombées. Donc, la vidéo n'est pas sur sa page. On est amis, mais je ne vois pas la vidéo. Tapotez le live, s'il vous plaît. On va commencer par l'histoire libanaise avant de terminer sur l'histoire de notre frère Bikongo, rapidement. Alors, il met une vidéo d'une dame, voilà, parce qu'on leur a dit de nous montrer, depuis la semaine passée, de nous montrer les Africains qui vivent bien au Liban. Comme ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ça veut dire que France 24 est au courant. Côte d'Ivoire au courant, Sénégal au courant, Cameroun au courant, tout le monde entier au courant que là-bas au Liban, nos soeurs sont malmenés. Mais eux, les Libanais qui vivent en Afrique, ils ne sont pas au courant, ils n'ont jamais vu. Mais ils vont en vacances chez eux, eux, ils ne voient pas ça.
Donc, nous, on les a dit, ils n'ont qu'à nous montrer qu'ils vivent bien. Donc, ils ont. Ça veut dire qu'ils filment une femme dans leur quartier qu'on appelle Maman Marie. Bien Doumba, là. D'après eux, qui a fait 35 ans. D'un pays, même si on dit qu'elle est criminelle, comment, même si on dit que cimetière où les gens sont morts, là. Un cimetière où on enterre les vivants, là. Il y a les humains qui vivent au cimetière. Donc, ils ont nous filmé d'après lui, Maman Marie, qu'elle est partie dans son pays. C'est quoi, c'est une Camerounaise, mais quoi, elle va dans son pays. Et elle revient. Elle a fait un mois, elle revient parce qu'elle ne peut pas vivre en Afrique, dans son pays. Genre, elle est trop à l'aise. Elle est super à l'aise, hein? Merci beaucoup, mon bébé Zagadou. Elle est trop à l'aise au Liban. Quand tu regardes le modèle de Maman Marie, ça, c'est les femmes. 35 ans au Liban, ça veut dire qu'elle-même, elle a été servante. Elle a été abusée. Elle-même, elle a habitué à vos kiki. Voilà. Elle a habitué à vos blanfilis. Elle-même, elle est devenue vendeuse. Ça veut dire que ce n'est pas elle maintenant. Vu qu'elle parle arabe, elle a duré là-bas. C'est le genre de personnes, ce n'est pas elle maintenant. Les Libanais passent parce qu'elle connaît déjà tous les mouvements. Donc, elle passe maintenant par eux. Il passe maintenant par elle pour envoyer les filles de l'Afrique. Donc, c'est dans tout le Liban, là. Dans tout le Liban, là, moi, l'Anjaeur. C'est dans tout le Liban, là. C'est Maman Marie, seulement vous avez trouvé pour venir la filmer. Et bizarrement, elle dit, ouh, elle sort de son coin. Un coup, on la filme. Je suis content en arabe. Je suis content de revenir au Liban. Je me sens bien. C'est la seule. Vous avez trouvé. Moi, je vais te décortiquer les vidéos. Voilà, Maman Marie, vous travaillez avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Tonton, je peux prendre un peu. On va aller pas à pas. J'ai partagé les vidéos là qui, Seigneur. Oui. Il était partagé les vidéos, faut regarder. Voilà les vidéos, on se pète quand ça m'énerve. Oui, oui, il faut me partager. C'est à toi, j'ai envoyé. Repartage-moi ça sur mon autre compte Leslie là. On tapote le live, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages. Prenez mon objectif là, team. Regardez mes objectifs, s'il vous plaît. Regardez mes objectifs. Il y a les roses. Il y a les cœurs de 100 points, puis avec les galaxies. Prenez ce que vous pouvez pour sécuriser le live. La dernière fois, quand j'ai parlé de ça, vous aviez fait 3 jours sans faire des directs. Parce que quand j'ai parlé de Libou, là, ils m'ont signalé. Ils sont très forts dedans. Donc, tapotez le live. Mettez les roses. Mettez les petits cadeaux juste pour soutenir le live. Pour ne pas que le direct se coupe rapidement. S'il vous plaît. Voilà. Si tu me partages, MM, c'est bon. On se retrouve dehors aujourd'hui parce qu'on est maltraité dans les maisons. On fait. Alors, la dernière fois, j'avais vu la vidéo. Vous savez, affaire des princes aimés de Bordeaux, il y a des gens qui sont devenus très bêtes. Ils pensent que, affaire des Libanais, là, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Il y avait une vidéo d'une fille camerounaise qui disait que les Libanais, faites bien ce que vous faites aux Ivoiriens. Parce que juste à cause d'autres, c'est pas à cause des ballons, c'est pas à cause de musique. Elles sont là, elles sont bêtes. Ça, sont les Camerounais. Des femmes camerounaises victimes de violences au Liban pleurent et demandent l'aide. On va écouter. Ça, c'est une Camerounaise, hein, avant qu'on va arriver dans d'autres pays. On se retrouve dehors aujourd'hui parce qu'on est maltraité dans les maisons, on se fait violer, on est torturé, on n'est pas considéré comme des humains. À un moment donné, on est fatigué, on est obligé de fuir, on est obligé de se retrouver dans la rue parce qu'on veut sauver notre vie. Une comme moi, je me suis retrouvée dehors parce que ma vie était en danger. Je travaillais presque 24 heures sur 24. Je n'avais pas de jour de repos. Je n'avais pas le droit de parler à mes enfants. Je parlais à mes enfants une fois par mois. Une fois par mois, je n'avais pas. Je dormais au balcon, à même le sol. Oui, c'est ça. Quelqu'un comme moi, comme ça, là, moi, j'ai été violée dès le premier instant. Quand j'ai pris, on m'a amené au Liban. Le monsieur, quand il est venu me chercher à l'aéroport, directement, il est parti avec moi dans un forêt. Il m'a violée directement. Non, nous ne sommes pas venus. Elle ne peut même pas parler, elle pleure. Parce que si je continue, elle risque de pleurer. Il y a d'autres même là, on les vend. Non, c'est Libanais comme les Moël Anjaël là. Ils passent par des femmes comme Maman Marie, la Douma qu'ils ont montré qui avait 50 ans là-bas là. Elle les met en confiance. Vous dites-moi si ça fait 35 ans, et si ça fait 40 ans, et si ça fait 10 ans. Donc ces gens, ça les met en confiance et ils les vendent. Donc c'est vendage dans vendage. D'accord? Voilà. Elle, dès qu'elle arrive, d'autres on les vend pas pour parce qu'elles sont servantes. Hein. D'autres sécuriser le live. Oh, quand je vois pas les cadeaux, comment ça m'énerve. Sécuriser le live. Vous êtes plus de 600 dans le live. Le live ne monte pas. On m'a signalé. Mon TikTok est restreint. Ça veut dire normalement, on devait être 1000 personnes, mais on est la moitié de 1000 personnes. Parce qu'il était restreint pendant 3 jours. C'est une seule personne ici qui met les petits cadeaux. Vous êtes plus de 600 personnes. Je peux couper. Hein? Je coupe, je relance. Même si on est 10, je m'assois, je fais mes matchs, je mets ma musique. On est 5 personnes, on est 20 personnes. On fait nos matchs tranquillement. Vous n'avez pas dit qu'on fait vos combats. Vous n'avez pas donné courage aux gens. Ça, c'est un Libanais qui parlait là. Vous allez voir les lions qui ont pleuvoir là-bas. Mais quand c'est votre soeur africaine qui parle pour vous là, on n'est pas payé rien. Vous avez dit qu'on est mendiant. Pourtant, c'est qu'on t'a fait là. Il est mal à la tête. Quand il finit ses doliprane, c'est mon an. Bouteille d'eau, c'est mon an qui paye. Donc, sécurisez le lave. Allez, les petits cadeaux. Merci pour tous ceux qui mettent les cadeaux. Let's go. On est là parce qu'il y a
Ok. On va aller tout doucement. Où nous allons jouer les clientes à la recherche d'une domestique. Eh, hey, vous les Libanais, tapez bien le live, s'il vous plaît. Allons-y à 100k, ma platine. On tapote, on met les petits cadeaux, on met les gros cadeaux, on sécurise le live. Mon direct, mon TikTok est restreint. Non, moi j'ai deux TikTok, d'aller me dire sur le TikTok. Ce TikTok, il est restreint. Parce qu'il était signalé à cause de ce combat pendant 3 jours. Quand on me restreint, je suis la seule ici qui m'assoit pour aller ma télé. Personne ne m'appelle pour me dire, pourquoi tu n'es pas direct. Donc, tapotez, si vous pouvez mettre les cadeaux, mettez les cadeaux juste pour sécuriser le live. Regardez les objectifs, s'il vous plaît. On va écouter des, comment on appelle ça, des journalistes français qui sont passés pour des gens qui cherchent des servantes à Beyrouth. Taguez-moi les Libanais là. Les Hassan Ayak, les Mehdi là, les, comment on appelle ça, les Moi et l'Angéen là. Moi, je sais que tu es là, et tes testaclois et André, boule de pétanque là. Je sais que tu es là. La responsable. Nous on va écouter, hein. Où nous allons jouer les clientes à la recherche d'une domestique. La responsable nous propose des femmes venant d'Éthiopie. Moi, j'aime les Assyriens. Ils sont très pauvres. Cœur pauvre, ici pauvre. Pourquoi ? Alors l'agence dit à la femme qu'elle n'a qu'à prendre les Éthiopiennes que parce qu'elles sont plus pauvres, c'est plus mieux. Vu que la pauvreté qu'il y a en Éthiopie, il n'y en a pas trop en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas trop au Cameroun, donc elle ne parle pas beaucoup. On écoute, hein ? Elle ne fait pas de problème. Et si tu as donné un remarque, elle reste gentille, elle ne fait pas de problème avec toi. Et si je m'énerve ? Non. Le salaire des domestiques. Ça veut dire les Éthiopiennes, tellement qu'elles sont galérées. Tellement elles sont galérées dans leur pays, ça ne va pas. Elles mangent la poussière là-bas. Là. Même quand tu les mougou, elles ne parlent pas. Tu les daba, elles ne parlent pas. Tu les mougou dans les œillots, dans les bodas, elles ne parlent pas. Elles sont venues pour Jossi, pour avoir les jetons. Non, si tu veux là, il faut mettre 15 testaclois dans leur bouche. Elles, là, ça ne les dérange pas. Donc l'agence, il te met en avance les Éthiopiennes parce qu'en plus, ça ne coûte pas cher. Let's go. Fonction des nationalités. Les plus chères. Les Philippines sont proposées à 400 € par mois. Les moins chères, les Éthiopiennes, à seulement 150. C'est peu pour une femme corvéable à merci. Pour plus de détails, devant nous, l'employé appelle sa patronne au téléphone. Les papiers, c'est elle qui les récupère ou c'est moi ? Le passeport, c'est pour. Une fois qu'elle est arrivée, vous allez récupérer la fille à l'aéroport. Vous gardez le passeport avec vous. Elle a des jours off. Ok, on va s'arrêter là. Tapotez le live. Oh, mais dis donc, Même si tu dois m'a restreint, tapotez le live. Tapotez le live. Vos doigts sont possédés. Vous voulez qu'on fasse vos combats, mais vos doigts sont possédés. Vos doigts sont-ils possédés? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les cadeaux. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. On tapote, on partage. C'est lourd. C'est lourd. Voilà ce que les Libanais font à nos soeurs. Mais ça là, moi et l'Angéen, tu allais prendre une vidéo de maman Marie qui a fait 35 ans à Beyrouth, qui est trop contente de revenir un mois après. Mais cette vidéo là, où nos soeurs sont vendues là, tu ne parles pas de ça. On écoute. Les papiers, c'est elle qui les récupère ou c'est moi? Le passeport, c'est pour. Une fois qu'elle est arrivée, vous allez récupérer la fille à l'aéroport. Vous gardez le passeport avec vous. Ok. Une fois que vous avez récupéré la fille à l'aéroport, la dernière fois, je suis dans un direct avec moi, avec Yaka. On a demandé à un Libanais, ils disent, même les mots, les comment ils s'appellent là, Sanaya, quand tu les demandes, ils disent que c'est les agences qui sont en Afrique, qui font venir les filles là, c'est les Africains eux-mêmes qui récupèrent les passeports des filles, ou bien les agences. Voilà l'agence qui dit à la planche ici que les passeports sont récupérés par les patrons. Parce que les agences, eux, ils se désengagent. Dès qu'ils viennent, ils t'ont déjà vendu. Ils ont pris une course sur ta main. Et ils prennent même 3 mois la moitié de ton salaire. De un. Et quand tu viens là, le passeport à ton patron. Donc tu ne peux pas aller courir pour aller, pour aller à l'agence. Quand tu viens là, l'agence, ça, tu ne les connais même pas. Si tu connais l'agence, faut du Dieu merci. L'agence, souvent, tu ne les connais pas. Mettez les roses pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas. Mettez les roses. Parce qu'il nous faut passer les Africains pour les pauvres. On n'est pas pauvres. Mettez les bamouins. Montrer à ces Arabes là que nous là on est soudés aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu viens là, ton passeport est récupéré par ton patron. Donc il va tes yeux, il va tes zéiri. Ça veut dire que quand tu quittes là-bas là, ton boda devient comme autoroute de Bamako. Ça veut dire quand tu quittes là-bas là, à force de sucer les noyaux, ta bouche est penchée. Quand tu quittes là-bas là, ton pétou même, ça veut dire que ton pétou ressemble à la route de Bamako Koulikoro.
Hein, ah, je sais pas si ils ont fait le goudron maintenant. Bah, ma coucou, l'icoro. Ah, digue. T'as pas tout le sang, ça. Tellement que les kikinettes, les vilains, on va y voir ici même des enfants patralov. Écoutez très bien. Écoutez, mais pas montrer la vidéo. Parce que souvent, quand tu montes, droit d'auteur, TikTok aussi, c'est prendre deux jours là. Je veux voir les cadeaux. Dans cette vidéo, disent que les Africains, on est pauvres. On n'a pas l'argent. Montrez-leur qu'on peut se soutenir. Mettez-moi mes galaxies, mettez-moi mes chapeaux. C'est un combat noble. Président ne me paye pas. Ministre ne me paye pas. Personne ne me donne salaire. 1000 euros pour dire les civils. Va faire directement 2000 euros. Personne. Je le fais ici, là. Moi, mais même aussi ma vie en danger. Parce que c'est vrai, en Côte d'Ivoire, là. Les Hassan Ayek, les bas billets, comme les Hassan Ayek, ils m'attendent à billets pour me porter plainte. Voilà. Et jour off. On va y corvée à Blas, merci. Pour plus de détails, devant nous. L'employé appelle sa patronne au téléphone. Les papiers, c'est elle qui les récupère ou c'est moi ? Le passeport, c'est vous. Une fois qu'elle est arrivée, vous allez récupérer la fille à l'aéroport. Vous gardez le passeport avec vous. Elle a des jours off Ah non, 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 pas de... non, 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 surtout pas ça. Non. Surtout pas ça. Pas de jours off, pas de téléphone. Pas de jours off, ça veut dire pas de jours de repos. Elle m'a dit non, 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 pas ça. Ça veut dire qu'on est comme des animaux. Moi, l'engin, Hassan Ayak, m'a dit. Mais dis-toi ta grosse tête, tu es vilain enfant de servante. Toi tu es métis, c'est les Hassan Ayek et puis les mots là, les mots et l'engin, eux au moins ils sont libanais 100%. Les médis là, enfant de servante, toi je suis que ta mère elle fait servante, ils l'ont mougou là-bas et puis ils t'ont mis au monde. Mais toi tu as venu parler, tu as venu ouvrir ta gueule, ta baisse gueule, ta subaisse gueule, pour venir parler des Ivoiriens. Ça veut dire que ta mère, même elle, c'était même pas enfant désiré. Ils finissent par voler les enfants des servantes pour fuir et pour aller au Liban. Et quand vous grandissez, on vous ramène. Donc vos cerveaux là sont nettoyés comme on nettoie les gens de Al-Qaïda là. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Surtout vous les enfants babillés, non reconnus là. Je suis avec vous. On écoute. Non, non, surtout pas ça. Non. Passeport, c'est vous. Une fois qu'elle est arrivée, vous allez récupérer la fille à l'aéroport. Vous gardez le passeport avec vous. Elle a des jours off. Non, 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 pas de... non, 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 surtout pas ça. Non. Surtout pas ça. Pas de jours off, pas de téléphone portable. Juste, elle peut sortir avec vous si vous voulez, si elle va s'occuper des enfants, des trucs comme ça, mais elle n'a pas le droit de sortir. Conséquence. Selon l'ONG libanaise CAFA, même si la loi ne l'a pas prévu, 88% des employeurs confisquent le passeport de leurs domestiques. Ouais. Et 80% d'entre elles ne peuvent sortir seules des maisons de leur patron. Un homme... Attendez, oh. Attendez. On va écouter Mehdi. Tu t'en prends, mon grand frère. Mon frère, qui contrairement à toi, vit en Côte d'Ivoire. Passe sa vie à aider les gens. Donc Mehdi, un fils de babier, parce que c'est dit en français, TikTok benga direct gauchi quoi. Voilà. John, il va te muter. Dia, admis, il va te muter. Coucou bébé Dia. Ne me déconcentrez pas, et s'il vous plaît, John est sa go Dia là. Ne me déconcentrez pas. Voilà Mehdi, on va écouter Mehdi. Tu t'en prends, mon grand frère. Contrairement à toi, vit en Côte d'Ivoire. Malgré ça, passe sa vie à aider les gens. Chose que toi, tu ne fais pas. Alors, Mehdi qui vient s'asseoir ici, un fils de servante, ça veut dire lui, sa mère était servante chez les Libanais. Pendant qu'elle nettoyait la maison, Vigu, va me porter plainte. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes babier. En France, ici, tu viens me porter plainte. Il a allumé la télé sur ton baboda ou bien ton fafora. Parce que c'est ta maman, mais c'est ma soeur ivoirienne. Toi, ta maman, elle est fait servantia. Ça va me dire que ta maman était secrétaire de ton père, ou bien ta maman était directrice générale, et puis c'est elle qui boule la vie pour aller faire enfant à lui. Je suis sûr que ta mère, je suis sûr et j'en suis certain, que ta mère est une simple servante. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Envoyez les bambins pour sécuriser le live. Il était Mehdi qui parlait là. Vous allez voir les Hassan Ayek en train de faire des gros cadeaux. Mes frères, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes partout en train de me suivre. Mettez vos cartes bancaires là, c'est le démon qui est sur vos doigts pour envoyer les cadeaux. Ça, c'était les Libanais là. Ils allaient bombarder des cadeaux pour soutenir. Quand tu vois, c'est dans le direct des Libanais qui sont nés en Afrique là. Faut les voir comment on les donne des cadeaux. Les frères les donnent des cadeaux pour les soutenir. Mais pour nous là, vous partez voler les fleurs du voisin. Tric, une fleur, vous fuyez. Une fleur, un point, même pas zéro centime. Vous fuyez. Vous venez, fort Leslie, vous fuyez. Continuez de fuir. On va écouter ces liboules. Je vais reprendre. Tu t'en prends, mon grand frère. Merci Fatou. Passe sa vie à aider les gens. Chose que toi tu. Alors. Merci JM, merci beaucoup. Merci JM.
Alors, il dit que les gens s'apprennent à son grand frère. Son grand frère, malgré qu'il est Libanais, en Côte d'Ivoire, lui passe son temps à aider les gens. C'est qu'un Ivoirien ne fait pas. Mais on est des Togonini fouillés. Vous êtes des Togonini. Sinon, il y a des Ivoiriens qui font les dons. Il y a des femmes Ivoiriennes. La fille, la bébé que tu suis beaucoup là, Mia. Mia prépare faire des dons. Mais la Libanaise qui prépare au bord de la lagune là, quand elle prépare, les gens viennent payer pour qu'elle ne donner aux orphelins. Elle fait comme c'est elle qui fait les dons là. Les gens pensent qu'elle fait trop de dons. Pourtant, les femmes comme les Mia là, elles préparent là. Là, les nourritures, ça en fait des dons. Vous aimez vous faire voir. Il y a beaucoup d'ONG. Il y a la diaspora ivoirienne ici. Une fois, il y a les femmes qui m'ont contacté. Elles ont les ONG à Issia. Où chaque année, elles font des collègues de dons, font des soirées à Paris. Et puis, ils ont fait des dons en Côte d'Ivoire jusqu'à Issia. La diaspora là, les dons que nous faisons, ton Hassan Ayak, son dernier en poudre. C'est-à-dire que les testicules, le croyé de son père, qui ressemble à un drapeau babier de Liban là. Ton grand frère là, c'est la diaspora ivoirienne qui cotise. Quand il dit que telle personne est malade, c'est nous la diaspora, on cotise nos 20 euros. Pour envoyer, pour que Hassan Ayak s'assoie sur le large con de son bas billet pour venir faire don. C'est pas l'an de Liban. Pas au Liban, on n'est rien. On est fait au Liban là-bas. Au Liban, il n'y a pas l'argent. Au Liban, pas cacao. Au Liban, pas café. Au Liban, pas pétrole. C'est la diaspora libanaise qui nourrit les Libans. Les Libanais qui vivent au Liban. Toi, tu as venu parler de quoi et qui? Toi, mais tu es un enfant indésiré. Tu es là, tu souffres comme ça. C'est vous là. Vous voulez vous jouer trop les Libanais. Pourtant, on ne vous connaît même pas au Liban. On te connaît même pas au Liban. Au Liban, on ne te connaît pas. Quand tu as fait parler aussi, il y a moi sa gueule là. Toi, ta maman, elle est servante. Mais dit dans ça là, ton papa est venu faire chat noir. Il a pris son vilain kiki rempli de poils. On dirait poils d'une chienne, d'une folle, pour aller mougou ta mère. Et puis, tu es sorti enfant babier avec ta grosse tête. Tu es venu parler aux Ivoiriens. Que nos frères libanais nourrissent les Ivoiriens. On a besoin de votre argent. On a besoin de vous. Attends, est passé. Ça, c'est une Ivoirienne qui est au Liban. Écoutez bien, moi, je ne connais pas le nom de la ville, elle n'est pas à Beyrouth. On écoute. Non. Précisément à Beyrouth, Biasa. Voilà. Et je viens après d'assister à. Je ne sais pas si je vais appeler Benoît, je sais comment je vais appeler, qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a tellement fait mal que mes larmes ont coulé. J'ai une voisine juste à côté de moi, une fille sur mes étupides, qui est venue, ça fait presque un an. Au début, quand la fille est venue, en tout cas, elle était vraiment en forme, grosse, bien jolie. Mais cette fille, depuis qu'elle est venue, on ne la voit pas. On ne la voit jamais. Elle est tout le temps dans la maison. Même leur porte, leur porte de l'entrée. Ici, justement, la plupart des portes, on met des gens. Mais, comment on dit, œil de bœuf, comment on appelle la pouvoir dire, chez eux, il n'y en a pas. Tellement que la fille est maltraitée. Le premier jour, la fille a vu, c'est le pas, je crois, c'était en 2000. Bon, là, je l'entends pas bien. On écoute elle ça. Elle a subi, impuissante, les abus de son employeur. Et d'un an, elle a subi, impuissante, les abus de son employeur. Elle n'a eu d'autre choix que de prendre la fuite. On m'a fait signer un contrat depuis mon pays. Et quand je suis arrivée travailler, j'étais fière de venir travailler. Et malheureusement, cela n'est pas allé jusqu'au bout. Et j'ai rencontré des graves difficultés. La famille pour laquelle je suis venue travailler m'a fait vivre des atrocités. J'ai subi des menaces de mort, des violences physiques. Du coup, un matin, j'ai fugué de la maison en laissant tout et mes papiers. Vous imaginez, dans un pays étranger, marcher de façon illégale. Ça n'a pas été facile, ça ne l'est déjà pas, c'est très compliqué pour moi. Sincèrement, il me faut parfois commander, mendier, pour pouvoir ne serait-ce que manger ou bien avoir un toit. Parce que des fois même, tu peux trouver un petit boulot à faire. Malheureusement, si le patron est de mauvaise foi et il se rend compte que tu travailles de façon illégale, parfois il peut se permettre de ne pas te donner ton salaire. Et je n'ai que mes yeux pour pleurer parce que je n'ai aucune force pour pouvoir me plaindre. Je n'ai personne à qui crier parce que je suis illégale. Donc, Et ils bloquent tes papiers pour que tu sois illégal. Tous ces influenceurs, ces enfants babiers là, de mère africaine, dignes d'un VUL, qui sont retrouvés, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se prennent, qui sont dans les pays africains, qui se prennent trop pour des Sénégalais, qui se prennent trop pour des Ivoiriens.
qui se prennent trop pour des Gabonais là. Vous voyez pas ces gens des vidéos là? Pourquoi vous postez pas ces gens des vidéos? Pourquoi vous faites pas des sensibilisations sur ces gens des vidéos? Vous venez vous asseoir pour nous montrer Maman Marie qui a fait 35 ans là-bas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la gueule ou du gros boda de Maman Marie? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hmm? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? 2 700 000 euros. Vous la libérez. C'est un côté guitare. Bon, je vais enlever les pleurs dans mon live. On va s'arrêter là. Des dizaines de milliers de migrants originaires d'Afrique y travaillent. La plupart d'entre eux. On va s'arrêter là. Je voulais répondre à Moué Langeaï. Je voulais qu'il soit face à moi, mais il n'est pas là ce soir. Ok. Bon. On est en train de combattre pour nos sœurs qui souffrent au Liban. Vous avez vu, il n'y a pas que des Ivoiriennes. Il y a aussi des Camerounaises, il y a des Gabonaises, il y a des Éthiopiennes. Mais nous, on parle. En tant qu'influenceur ivoirien, nos autorités peuvent attendre. Et le Sénégal a commencé à rapatrier. Pardon. Le Sénégal a commencé à rapatrier ses ressortissants. Nous voulons que nos présidents aussi envoient un avion pour rapatrier nos ressortissants. Nous parlons de ça. Et apparemment, il y a une marche, parce que je n'étais pas au courant de la marche. J'étais au courant 2 jours après dans le direct de l'influenceur Yaka Yaka, qu'il y aura une marche le 8 hier. Qui a été annulée par nos autorités. Une marche pacifique, une marche dans un pays de droit, une marche dans un pays de loi, une marche dans un pays non dictatorial. Ça veut dire que nos présidents ne sont pas des dictateurs et nos ministres, nos gouvernements ne sont pas des dictateurs. Mais une marche pour dire que nos soeurs sont là-bas abandonnées sous des bombes nucléaires. Hein? Des bombes. Viens parler comme ma copine béninoise. Sous des bombes, hein, où les patrons ont fui et ils montent dans l'avion. Soit les patrons ont déjà, soit les patrons sont dans les pays voisins, mais ils ont pris l'avion pour venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans les pays, pour venir retrouver leurs parents. Mais ces servantes-là, ces domestiques-là ont été abandonnés. D'autres sont dans la rue, ils ont réussi à casser des portes. D'autres même ont déjà dans les maisons parce que les bombes de l'Israël ont atterri sur la maison de leurs patrons. Donc elles se retrouvent sans passeport parce qu'elles ne savent pas où les patrons ont mis les passeports. D'autres ils mettent ça à la banque comme c'était héritage dont nos soeurs sont là-bas, elles sont abandonnées dans les rues. Dans les rues, elles sont là. Elles sont abusées encore. Ça veut dire que malgré que Israël entend vous babougou, on a cherché à vous défendre. Vous cherchez encore à mougou les servantes. Il y a une vidéo même qui m'a choqué. Mais là, pendant ce temps, je vois Hassan Ayak. Il s'envoie nos mamans. Je viens de voir la vidéo sur la même page où il s'en s'assoit. Où nos mamans qui balaient, qui sont habillées en jaune. Il vient se jouer. Il veut montrer une bonne image du Liban. Hassan Ayak, on n'a pas besoin de tes 50 francs. Parce que tu fais là, c'est le saraka. Tout le malheur des Africains, le vol qu'on fait dans les sociétés en Côte d'Ivoire, où les gens sont travaillés, et puis ils sont blessés. Vous ne partez pas filmer là-bas. Nos frères qui travaillent dans vos pays, dans le pays même en Côte d'Ivoire, et puis tes parents, tes oncles, leurs mains coupées, tigelées, leurs congolos brûlés. Vous ne parles pas de ça, hein. Tu viens t'asseoir, nos mamans qui sont travaillées, ils sont déjà fin du mois, ils sont se reposer. Tu viens t'asseoir, ta tête chauve, André, testacouille de ton grand-père. Tu viens t'asseoir là, André. Ça dit que ta tête, André, n'y d'une Ghanéenne, Djandjou. Tu viens t'asseoir au milieu de gens, tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Hé, hey, on n'a pas besoin de l'un des bâtards comme toi. C'est moi qui te dis ça. Elles n'ont pas besoin de toi. Elles sont en train de travailler. Si tu es bien, vous voyez carton devant bois. C'est tout. Elles n'ont pas besoin de ton argent. Elles travaillent. Va, prends un avion, tu es libanais, va au Liban. Va faire des dons là-bas. Va poser tes fesses poilues. Parce que quand tu es là, et poilu, tout cheveux qui était sa tête, tout cheveux qui était ça dans ton boda là. Prends ton boda, prends avion, descends à Beyrouth, va faire des dons là-bas sous les bombes. Voilà. Parce que c'est là-bas, votre par là-bas, c'est Beyrouth et puis Israël. Et si tu es garçon, que tu banderas là, va au Liban, dégage, mouffe, et puis t'assois, je t'aime trop. Toujours en train de vouloir humilier l'Afrique. Voilà. Toujours en train de humilier l'Afrique. À vouloir humilier nos mamans, elles sont en train de travailler, c'est des dignes femmes. Elles sont en train de mendier. Tu as compris? Il y a nos soeurs qui souffrent là-bas. Elles sont VOEL par tes cousins, par tes oncles, par ta putain de famille de merde. Et toi, tu viens t'asseoir. Si tu aimes le Liban, là, il faut porter trahir. Va défendre ton pays contre l'Israël. Au lieu de venir t'asseoir en Côte d'Ivoire, venez t'asseoir avec ton babier arabe. Tu viens t'asseoir. Je t'aime trop les Ivoiriens. Les femmes qui ont venu de travailler, elles ont leur salaire, elles ont leur mouvement, elles sont assises, elles font pause de balayage. Je ne sais pas combien elles sont payées à 50 000, mais à 100 000. Elles font pause balayage. Elles ont leur mari, elles ont leurs enfants. Elles se lèvent pour aller travailler. Toi, tu as venu t'asseoir, je t'aime trop la Côte d'Ivoire, tu es venu en train de mendier. Tu as vu ces mamans en train de mendier. Si c'est moi, les femmes là, association de ce travail devait porter plainte. Bah, il va filmer les femmes vénérables pour mettre sur sa putain de page Facebook. Il mange la monétisation et en plus de cela, il a dit sécuriser mon direct. Ah, les cadeaux. Sécuriser mon direct. Je vais voir bombarder les cadeaux.
Voilà. Normalement, l'agence pour laquelle les femmes travaillent doit porter plainte. Hein? Contre toi. Tu vas filmer les femmes qui ont fini de travailler sur en mode pause. Et toi, tu t'envoies ton billet. Qui c'est là? Qui est billetement. Parce que toi, tu n'as pas pine, tu es con. Tu vas t'asseoir avec des mamans là. Tu vas venir faire comme si tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Tu aimes trop les Africains. J'étais vocal ici. Où tu disais que tu vas enfermer ma console. Il y a des vidéos où tu voulais enfermer des Ivoiriens dans leur propre pays. À quel moment tu aimes la Côte d'Ivoire? À quel moment tu aimes les Ivoiriens? Prends cet argent, va à Beyrouth. Israël t'attend. Vous qui les enfants bâtards, issus des servantes en Côte d'Ivoire, là, si vous aimez toi le Liban, toi Mehdi, vilain chien gigolo, bas bien, ton dernier aujourd'hui, ton dernier demain, ton dernier après demain, là, il faut prendre tes couilles et va à Beyrouth, rentre dans l'armée et va défendre ton pays face à Israël. C'est là-bas les vrais garçons vous attendent. Allez-y combattre dans vos pays. Voilà. Allez-y combattre. Parce qu'au temps de Babo, on disait qui va aller au front? Quand Blaise Goudet dit qu'il va aller au front pour aller libérer le nord de la Côte d'Ivoire, là, les jeunes Ivoiriens disaient, moi, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils rentrent dans l'armée pour soutenir leur pays face aux rebelles. Donc toi, à ton tour, ramassez-vous, arrêtez de donner bouteille d'eau, venez filmer, arrêtez de venir donner un morceau de pain, venez filmer, allez dans vos pays pour aller défendre vos pays face à l'Israël. C'est là-bas la vraie. Hein? La prochaine fois, un Ivoirien, vous voyez ce bâtard de Libou. Il a dit sécuriser le direct. Ils sont en train de me signaler, ils m'ont déjà restreint. Sécuriser le direct avec les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux. T'apportez le live, je ne vois pas les partages. Hein? Si vous voyez ce Hassan Ayak là, en train de venir vous filmer, quoi, c'est-à-dire? Et puis souvent, les femmes ne savent pas qu'elles sont filmées. C'est ça le pire. Voilà. Elles ne savent pas qu'elles sont filmées. Hein? Ces mamans là ne savent pas qu'elles sont filmées. Hein? Elles sont assises, elles sont fatiguées de balayer, elles sont en mode pause. Elles sont en train de faire la pause et puis elles vont reprendre leur boulot. Des dignes femmes, des dignes mères, assises en pause de travail. Un babi arrive, il s'assoit au milieu de par terre, comme s'il était trop humble. Pour lui, il est blanc. Donc un blanc d'abord s'assoit par terre avec les négros. Donc lui, il s'assoit maintenant par terre, les gens, il est trop humble. Et puis il commence à causer à eux. Puis il me va donner un petit enveloppe, une petite enveloppe. Ça, la moins 5 000 francs sur lui. Il va peut-être donner 5 000 à chacune. Et puis il ose filmer. Droit d'auteur. Ces femmes-là, si elles prennent un avocat, petit bas, billet de liboule, on te poursuit en justice pour droit d'auteur. Peut-être tu les as filmées sans leur consentement. Même si tu as leur consentement, elles sont vulnérables. Fils de biais, qui sait? Quand vous êtes fatigué, quoi. Et puis il met sa main dans sa poche. Pourtant, les femmes, elles ont la nourriture devant eux. Hein. Chacune a sa bouteille d'eau, elle a la nourriture devant elle. Hein. Elles sont en train de mettre pause. Toi, tu as venu montrer la pauvreté. Genre en Afrique, on est trop pauvre. Pourtant, au Liban, vous êtes 4 fois pauvre. Ça veut dire que même au Liban, quand on parle des pays pauvres, on ne dit pas la Côte d'Ivoire. On ne dit pas le Mali. On ne dit pas le Burkina parce que nos ressources sont riches. On ne parle pas de pauvreté chez nous. Ton pays est pauvre. Ton pays est en guerre. Au lieu d'aller dans ton putain de pays de merde, aller défendre, aller donner les 5 000 là. Allez donner ça aux gens que l'Israël a pillé, qui c'est leur maison. Au lieu d'aller faire ça, non, toi tu peux faire ça en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens qui parlent sur la toile là. Vous parlez, mais moi, il m'a donné là, vos parents, puis il est fini. Il n'y a pas un de mes cousins dedans. Il n'y a pas un de mes. Moi, ici en Bengue, il y a mes litiges, mes abonnés vont cotiser. Il y a prendre un avocat contre toi, petit babier là. Toi, tu peux donner combien? Toi, tu peux donner 200 000 à chaque femme? Si tu étais vraiment gentil, on dit quand tu viens aider quelqu'un, il faut bien aider la personne. Si tu étais vraiment gentil là, tu viens les poser, on vient t'asseoir pour les filmer là. Tu peux leur dire, maman, vous travaillez ce travail de poussière où on balaye la route, c'est un peu difficile, mal au dos et tout ça, vous voulez faire quoi? Lui va te dire, va me patcher, pagne. Et tu peux dire, oh bon, moi je connais quelqu'un à Djamé, il y a les trucs, tu peux donner 200 000, va vendre tes pagnes. Demain, il est venu chez toi, je vais voir que tu as commencé ton commerce de pagnes. Là, tu vas vendre quoi? Non, je vais faire une table devant ma porte, je vais vendre les légumes, je vais vendre les fruits. Ok, voilà 100 000. Demain, on va ensemble. Tu vas aller prendre tes légumes, en gros. Non, toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais vendre la glace, je vais vendre les jus. Ok, allons demain, quelque part, je te donne un frigo, puis on commence le commerce. C'est ce qu'on dit à aider quelqu'un. Donc, toi, tu viens, tu vas les donner 5 000, demain, on va continuer à balayer. C'est pas la misère qui continue. Toi, tu es un babier. Va défendre le Liban face à l'Israël. Libère les Ivoiriens, on n'a pas faim. Là, ça, ce que tu as donné là, c'est obligatoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ton père s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ton grand-père s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta grand-mère Bordel s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta tante Djandu s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta cousine Djandra s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Une bande de chouins. Tes parents vendent la poudre en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Libanais sont des trafiquants en Afrique. On en parle. Tu avais donné 5 000. Tu m'as dit ton bas bien, c'est l'un de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont 1 million, c'est notre jeton. C'est notre jet. C'est pas l'un de Liban. Ta mère, pour chaque magasin qui te réveille, c'est moi, il dit ça va porter plainte en Chine. Chien. Les clients okay. À la recherche. Il m'arrête là.
Je vais parler une seconde de Makosso rapidement. Parce que quand vous attendez les gens en Côte d'Ivoire porter plainte. Hein? Parce que vous venez en Côte d'Ivoire. Viens en Côte d'Ivoire si tu es femme. Même si tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien me faire. Vous m'avez trop enfermé, vous m'avez trop gardé ces 2 ans. 2 ans, va finir de ressortir, j'aurai toujours ma gueule. Le jour, je vais à Abidjan là. Et vous allez m'enfermer 6 mois. 6 mois, va finir. Ça dit que le même en Côte d'Ivoire, je me suis préparé moralement. Il est venu, vous faites mon procès, vous m'enfermez 6 mois, 1 an, 2 ans. De toute façon, les gens des réseaux sociaux là, ça n'a pas dépassé 2 ans. Quand il m'en va là, il y a déjà payé sac de riz de ma mère pendant 2 ans. Quand il rentre là-bas, 2 ans, je sors, j'ai mis mon magmaka, on s'en va, on se mougou en prison là-bas. Voilà. Quand 2 ans finit, on me dit, madame, vous sortez, je sors, c'est fini. Et ça fait même ma gueule. Ça fait même ma gueule. Je ressens encore sur ton bas bien, encore, m'en fait encore 2 ans. Je ressens, je rentre encore sur ton bas bien, encore sur ta mère con. Et puis, m'en fait, où est le problème? C'est parce que je n'ai rien à foutre à bien que je n'y vais pas, c'est tout. Je n'y vais pas, qu'est-ce qu'il y a le foot là-bas? Mais c'est vous qui gouvernez, qu'est-ce qu'il y avait foot là-bas? Et Pérou, où le président est Liboul? Je vais m'adresser rapidement à Makosso. Bébé, tu m'as partagé la vidéo là, où il y a qu'à tête l'insulter là. Attends, je pense que tu m'as partagé ça sur mon autre compte, attends. Attends. C'est bon. Non, ça va pas. Père Yamougou, tu es méchant. Ça, il a gobé sur son front. À ce âge-là, on t'a dit d'aller appuyer ça pour faire entrer. C'est Spem Bieri. C'est Spem qui a gonflé le front. Bon, vous ne m'intéressez pas. Yaka et Makosso là. Bon, moi, je vais dire aux gens, vous avez vu depuis quelques jours, Makosso a fait croire à l'opinion publique que son compte de 2 millions abonnés, 2 millions 200 000 abonnés, a disparu. Ça fait 4 fois, même 3 fois, il fait ça maintenant, si vous vous rappelez. Une fois, on est dans un combat. Pendant la CAN, voilà, pendant la CAN de Côte d'Ivoire, la première CAN du Cameroun, où la CAN s'est coupée au Cameroun, où il a trahi la Côte d'Ivoire. Là. Le gars, il est venu dire ici que, comment les Ivoiriens l'ont traité de Judas, là, c'est là ils ont les MFVND à chanter, là, Judas, là. Il est sorti, son compte Facebook était signalé, il a désactivé son compte. Quand quelqu'un désactive son compte, c'est comme si on te dit compte banni ou compte introuvable. Tu as l'impression que la personne, son compte a sauté, il a désactivé. Il a 30 jours pour réactiver. Donc, au bout de 2 semaines, quand le mouvement s'abaisse, enregistrez. Ceux qui sont là, enregistrez. Commencez à enregistrer avant qu'ils commencent à parler. Donc, sur Facebook là-bas, premier CAN au Cameroun, tellement il a trahi la Côte d'Ivoire, il a fini par dire que son compte est bloqué. Parce que les gens commencent à se désabonner de son compte. Pour ne pas perdre ses abonnés, il a retiré. Il a désactivé son compte. Quand tu tapes, on te dit compte banni. Son compte n'est pas banni, il désactive. Tu as 30 jours, ça veut dire 1 mois pour réactiver ton compte. Donc ça veut dire ton compte là, c'est en pause. Si demain, moi, il n'y a plus qu'un vu que vous me voyez sur les réseaux là, il désactive mon compte, mais j'ai 1 mois pour réactiver mon compte. D'accord? Il a fait ça sur Facebook. Sur TikTok, il a fait ça 2 fois. Non, 1 fois. Où il a dit que non, c'est Biscuit qui a activé son compte première fois. Sur TikTok, il a déjà fait ça 2 fois. À chaque fois qu'il y a un combat, qui derrière la nation africaine, ivoirienne, il voit que les Ivoiriens commencent à se parler. Tu peux regarder chaque jour, tu as combien d'abonnés. Il voit que 5 personnes sont désabonnées, 6 personnes, 10 personnes sont désabonnées. Il voit que sa page est en danger, sa page de 2 millions d'abonnés, il désactive. Il a fait ça 1 fois. Cette fois-ci, c'est la 3e, la 4e fois. Makosso, son compte n'a jamais été signalé. Son compte n'a jamais été sauté par TikTok. Les gens peuvent signaler, oui, mais son compte n'a jamais été sauté par TikTok. Regardez, vous avez dit, Leslie a dit enregistrer, gardez. Et le jour, il va revenir là. Vous allez me republier, me taguer. Il a désactivé son compte TikTok. Et quand il désactive son compte TikTok, virgule, quand toi tu tapes, moi je suis ami à lui, quand il tape, on me dit compte introuvable, mais compte banni. Il a désactivé son compte. Quand la fin des Libanais va passer là, 1 semaine, 2e semaine, il a 1 mois. Après 1 mois, s'il active pas ça, il va bloquer, il va perdre son compte. C'est lui-même qui a désactivé. Donc on ne peut jamais trouver. On va trouver le nom compte banni. C'est tout ce qu'on peut trouver. Donc dans 2 semaines, Makosso va vous revenir. Son compte n'a pas resté comme pendant 1 mois. 2 semaines, il va revenir. Ou bien 1 semaine, Makosso va revenir. Quand il va revenir là, il va dire, oh Dieu est fort, TikTok m'a ramené, c'est Dieu, il y a Dieu dedans. C'est pas vrai. Son compte n'a pas été banni, son compte n'a pas été signalé. Vous avez entendu? Il a désactivé son compte. Makosso, c'est un voleur, c'est un marmailleur. Voilà. Et puis il a fait des Libanais là même là. Nous, on est en train de se battre, oui. Mais en même temps, c'est une marmaille. Vous savez que les élections en Côte d'Ivoire, c'est très bientôt, l'année prochaine. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon retour.
cliquez pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants, malgré tout vous êtes méchants. Ici, on n'est pas méchants. Bon retour à vous aussi, ce qui s'appelle encore nouveau sur notre chaîne Helios 13. Ne soyez pas comme les guetteurs, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde est mon la page. C'est pas à tapoter comme sur TikTok là où on tapote, même les dents nous font mal. Ici seulement une seule fois vous allez donner un thumbs up sur notre vidéo ou bien sur nos vidéos, peu importe la vidéo que vous allez choisir. Après 2 minutes, après ou bien la fin, donnez-nous un thumbs up. C'est tout ce qu'on demande. Commentez nos vidéos très gentiment. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Très gentiment. Ici, Helios 13, n'insulte pas. On ne prend pas part. On écoute les deux oreilles. On n'aime pas écouter une oreille et puis parler. On aime écouter les deux oreilles. Parce que le 6 tourne en 9 très facilement. Et on a cette histoire des Libanais en Côte d'Ivoire qu'on écoute les deux oreilles. Qui a raison? J'ai dit, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. La vérité viendra toujours. La vérité viendra nous trouver sous la toile. Même par surprise, ça arrive, ça vient, ça tombe, boum. Et puis, on est tous assis par terre. Alors, vous venez de suivre Leslie. J'ai dit, ce live ici a duré. J'ai même quitté. Il y a une deuxième partie de cette vidéo ici qu'on va mettre encore. Parce que le live ici, ça a vraiment duré. Et je ne veux pas beaucoup parler sur cette affaire. Il y a des camps dans cette affaire. Les camps qui s'y portent. Marcoso, en supportant les Libanais, et en supportant les Libanais en Côte d'Ivoire, et les camps qui ne supportent pas Marcoso, donc le cas de Yaka Yaka, Sylvia, vous avez vu Leslie, qui ne supportait pas cette histoire. J'ai dit, il y a toujours des sujets sur la toile ici, qui sort, qui divise, ou bien qui réunit des panels. Alors, restez branchés. Si vous êtes anciens abonnés ici, cliquez sur la cloche de notification. Si vous êtes abonné aujourd'hui là aussi, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. J'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler. Il y a encore le... Donc, le live, ça a été long. Alors, les analyses là, on va faire peut-être à la fin de cette histoire. Ou bien, quand la vérité va sortir, on sera là toujours, vous et nous. J'ai dit... Kocho, jusqu'à la gare. Alors, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ici. On répète encore de nous donner vos avis. Voici français, oh. Français, s'il veut m'attraper. Ça fait rien. De nous donner vos avis dans les comment section. Jusqu'ici, on se retrouvera tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, cliquez sur la cloche de notification. Vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.